говориш одне, ти дивишся інше, але прощаючись, даєш слабину, і небо полилося по спині, так ніби Бог торкнувся мене пальцями. Coucherions sur le sable et partagerions l'air jusqu'à ce que des ouïes nous poussent sur le dos et que tape dans ton ventre de ses poings minuscules le nouveau nageur. Bah, ça se présente très bien, ces soirées autour de la poésie ukrainienne, parce qu'il y a, quand même beaucoup de monde qui vient nous voir. Et ça, c'est un plaisir, parce qu'il y a des personnes qui sont proches de l'Ukraine, mais d'autres qui sont peut-être un peu plus loin aussi de cette culture, et qui veulent vraiment découvrir les poètes, qui veulent découvrir la richesse de la langue, qui veulent entendre à la fois de la poésie en ukrainien, même s'ils ne comprennent pas, et évidemment les traductions en françaises que nous avons faites. Donc je pense que c'est des soirées très riches. Déjà, je suis contente qu'il y ait des gens qui sont venus parce que, bon, comme on a dit sur l'événement, on est content que les gens sont là, les gens sont de qualité, qui nous écoutent, qui nous posent des questions. Je suis contente que ce projet a eu lieu parce que c'est quelque chose qui importe beaucoup pour moi et que les Français peuvent connaître les Ukrainiens, donc c'est très 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 important. Mais moi, je suis assez surpris par les thématiques qui sont abordées. Parce qu'en France, on a quand même une tradition politique très forte, assez engagée, et que je n'ai pas retrouvée là, et ça m'étonne pas mal. Alors après, je pense que tout est sous-jacent, en fait, dans la poésie ukrainienne, enfin dans celle que j'ai entendue ce soir. Mais c'est marrant parce qu'il n'y a pas de... J'ai l'impression... Enfin, nous, en France, on a... On a des retours de l'Ukraine comme d'un pays, comme d'un pays où c'est chaud, quoi, où il y a la guerre, quoi. Donc du coup, on s'attend à avoir une poésie hyper engagée. Et c'est très surprenant de voir en fait que ça parle d'amour, que ça parle de la nature, de plein d'autres choses qui sont, enfin, de leur quotidien aussi. Enfin, et c'est c'est plutôt sain, je trouve. C'est plutôt chouette. J'ai bien apprécié les contenus des poèmes, donc j'étais assez surprise de leur modernité. Je pouvais penser qu'ils auraient été plus classiques ou plus traditionnels, ou plus, voilà, mais pas du tout. Ça fait jeune et moderne. C'était vraiment très très agréable que les gens venaient pour nos soirées, que les gens écoutaient très très attentivement, qu'il y avait vraiment du contact avec le public. Le public n'est pas une grande stade, mais ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprécier et qu'on apprécie très 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 bien. À Lyon, j'étais impressionnée par la communauté ukrainienne. C'est vraiment très très important que les gens se réunissent, que les gens fassent quelque chose pour cette continuité de la culture ukrainienne, que les gens n'oublient pas d'où ils viennent. Ce serait vraiment génial si on pouvait faire des projets comme ça plus souvent, de ramener d'autres poètes, et pas seulement les poètes, les musiciens, les peintres, je ne sais pas, les gens théâtrales. Ce serait vraiment génial si on pouvait bouger bouger Lyon, bouger la France avec la culture ukrainienne. Voilà.